tu passes ton temps à te moquer d'elle. C'est toi, tu te moques de tes copines. Tu as vu la copine de... Tu as vu le mari de Gisèle. Il est moche comme ça. Il est vilain comme ça. Elle aussi, même si on dit on cherche foyer, c'est qu'un mari, ça là. Un mari qui est tordu comme ça. Elle fait quoi, elle, celui-là? Moi, en tout cas, si c'est ça là qui est mari, là, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que toi, tu passes ton temps à te moquer de mari de tes camarades. Tu passes ton temps à te moquer de mari de tes camarades. En tant que tu ne sais pas qu'elle, là, ce n'est pas ce qu'elle regarde. Elles sont dans le confort. Ça veut dire que toi, tu ne les trouves pas beaux. Hein? Tu ne trouves pas leur mari beau. Mais elles sont à l'aise. Elles sont en train d'écrire leur histoire. Elles ont fait un choix. Elles sont en train de fonder leur famille. Mais toi, tu es là. Tu es toujours en train de te moquer des maris de tes camarades là. Mais toi-même là, tu as quel genre de mari dans ta vie? Toi, tu es là. Tu te moques des maris de tes copines là. Toi, tu sors avec qui? Tu es avec qui? C'est ça. Parce que quand vous vous moquez des maris de vos copines là, quand vous vous moquez des maris de vos copines là, vous-même là, regardez autour de vous. Vous-même, vous êtes avec qui? Votre vie là, c'est comment? Est-ce que même quand on regarde votre vie là, c'est un exemple? Est-ce que c'est un exemple? C'est-à-dire que vous avez la bouche pour vous moquer des autres là, mais vous-même là, c'est-à-dire que votre vie là même là, c'est pas exemplaire, c'est même pire. C'est même pire. Voilà. Ça veut dire que il faut que vous sachiez que on n'a pas besoin qu'un homme soit beau. Un homme, il n'a pas besoin d'être beau. Il n'a pas besoin d'être beau. Si c'est un bon homme, il sait respecter la femme, c'est un homme qui est ambitieux, c'est un homme qui est travailleur, c'est un homme qui respecte la femme là, c'est ça le plus important. Sinon, être beau, 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 on s'en fout de ça. C'est vous qui, c'est-à-dire vous vous focalisez sur le physique. Vous, c'est joli garçon, vous cherchez. Quand vous ne voyez pas joli garçon là, pour vous, ce n'est pas l'homme parfait. Donc vous, c'est physique, c'est-à-dire vous cherchez tellement joli garçon que vous vieillissez même dans le fait de joli garçon là. Votre vie là, c'est 0-0. Il n'y a pas bon homme, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Ça veut dire que vous avez des comportements. Vous avez des comportements qui ne vous aident pas. Vous avez des comportements qui ne vous aident pas. Ça ne vous aide pas. Vous pensez que vous êtes les seules femmes au monde ici. Vous pensez que vous êtes les femmes les plus parfaites, les femmes les plus belles. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu es devant ton miroir, tu es chez toi à la maison, et puis tu es devant ton miroir là, et puis tu penses que tu es la plus belle femme du monde là, il faut sortir un peu. Faut sortir un peu. Peut-être que tu sors pas. Peut-être que toi tu restes dans ton quartier seulement. Donc tu vas pas dans un autre quartier. Ou même tu voyages pas un peu. Tu vas pas dans les pays. Ou tu vas pas dans d'autres villes. Mais ça veut dire que quand tu voyages un peu là. Ou bien tu vas dans d'autres pays là. C'est là que tu vas voir que ta beauté là c'est rien du tout. Tu vas voir que ta beauté là c'est rien du tout. Ça veut dire qu'il y a plus belle que toi. Plus belle, plus canon que toi. Ça veut dire elles sont belles. Elles sont intellectuelles. Elles sont cultivées. Elles ont tout. Et puis elles sont belles. Mais toi, c'est juste ta beauté. Toi, tu es belle seulement, c'est tout. Mais il n'y a rien après. Mais elles ont tout et puis elles sont belles. Oui, donc ça veut dire que ne vous asseyez pas là pour penser que votre beauté là, c'est ce qu'on va manger. Ou bien votre beauté là, vous êtes le seul sur cette terre là. Non, non, il y a beaucoup de jolies femmes comme ça. Beaucoup. Beaucoup de jolies femmes. Et puis les jolies femmes que vous voyez là, quand vous allez sortir, vous allez les voir là. Et puis vous-même, ça va couper votre cœur là. Quand vous les voyez là, elles sont mariées. Elles sont mariées. Souvent, même quand tu vois leur mari là, c'est le jour et la nuit. Mais elles ont décidé de se marier. Ça veut dire qu'elles n'ont pas regardé un joli garçon. Elles ont regardé un homme qui est prêt pour elles. Un homme qui veut construire son histoire. Un homme qui cherche une femme. Qui veut se marier. Qui veut se caser. Elles, c'est ce qu'elles ont regardé. Parce qu'elles savent que la beauté est éphémère. Elles savent que leur beauté, là, ça ne va pas rester comme ça éternellement. Donc, elles sont malignes. Tout de suite, elles attrapent un homme pour se caser. Pour se caser. Parce que quand tu es belle, arrivé à un certain âge, il faut que tu te cases. Quand tu te cases, ta beauté, elle reste longtemps. Parce que là, tu es casé. C'est-à-dire que ta vie est rangée. Mais quand tu es belle, et puis tu n'es pas casé, arrivé à un certain âge là. Ta beauté là, au fur et à mesure que les jours passent, ça se dégrade. Au fur et à mesure que les jours passent, ça se dégrade. C'est-à-dire que sur la liste là, si avant il y avait un rang, il y avait au moins 100 personnes qui te draguaient là. Au fur et à mesure que les années passent là, ça diminue. Ça diminue. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment-là, de toute façon, les hommes te draguaient. De la manière, par jour, quand tu sors, il y a au moins 10 hommes. Il y a au moins 40 hommes qui te draguent là. Arrivé à un certain âge-là, il n'y a qu'un seul qui te drague. Ou bien deux. Un ou deux. Ou bien souvent même là. Souvent même là, il n'y a pas de dragueur. Ça ne te drague pas. C'est-à-dire que toi-même, tu es étonné. Tu te dis, ah, mais c'est bizarre. Avant, là, il y avait beaucoup de dragueurs. Mais maintenant, on ne me drague même plus. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis toujours canon. Oui, tu es toujours canon, mais ton âge est en train d'avancer. C'est-à-dire que ton âge avance, tu n'es plus jeune. Tu n'es plus frêle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que
Toi, tu es belle, mais c'est tout. Mais quand on te regarde, on ne sent plus trop la fraîcheur sur toi. Donc, quand c'est comme ça, tes chances diminuent. Tes chances diminuent. Tu n'as plus trop de prétendants. Voilà, c'est comme ça. Et puis, même souvent, même quand ton âge avance un peu, là, tu es belle, hein, mais ton âge a tellement avancé que maintenant, là, les bons gars même ne viennent plus vers toi. Les gars que tu as refusés, là, maintenant, même là, ceux qui viennent vers toi, là, ils sont pires. C'est des vanupiers, du n'importe quoi, des plaisantins. C'est les plaisantins seulement qui viennent vers toi. Donc, ça veut dire que toi, tu as passé ton temps à trier garçon, tu as cherché un homme tellement parfait que, arrivé à un certain moment, tu n'as pas trouvé homme parfait là. Parce que tu es là, tu sors avec les hommes, tu les laisses. Tu sors avec les hommes, tu les laisses. Tu sors avec les hommes, tu les laisses. Tu te dis que toi, tu vas trouver, toi, tu mérites mieux. Mais tu mérites mieux là. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, l'âge là, quand les jours passent, quand les mois passent là, ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. Ça veut dire qu'on prend de l'âge là. Parfois même, on ne sait même pas. On ne sait pas qu'on est en train de prendre de l'âge. Donc, si c'est ce que toi, tu veux regarder, le temps, tu vas t'en rendre compte, tu auras 30 ans. Tu auras 35 ans, ma chérie. Tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans. Tu es toujours en train de trier garçon. Tu attends toujours le prince charmant. Tu attends toujours l'homme parfait. Et puis, tu vois maintenant que tous ceux qui viennent vers toi, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins qui te draguent maintenant. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent, ils profitent de ton corps, puis ils s'en vont. Souvent, même là, même, c'est des gigolos maintenant qui viennent vers toi. C'est-à-dire que toi, maintenant, là, quand tu sors avec eux, là, c'est toi qui dépenses sur eux. Alors que toi, ce n'est pas ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que tu voulais auparavant. Toi, tu cherchais un homme bien. Mais pour finir, là, c'est toi, maintenant, même, tu dépenses sur garçon. Parce que tes chances sont finies. Tes chances sont finies. Tu as joué à ta vie. Les vrais hommes qui venaient vers toi, les vraies personnes qui venaient vers toi, il y en a qui voulaient vraiment faire de toi leur femme. Mais tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ça. Tu es resté en train de prier. Tu es resté en train de jouer. Tu as pensé que ta beauté était éternelle. C'est-à-dire que toi, tu es avec tes copines là. Vous êtes là, vous ne vous donnez pas de bons conseils. Vous ne vous donnez pas de bons conseils. Vous pensez que c'est vous, vous êtes le centre du monde. Maintenant, vous avez fait ça là aujourd'hui. Là, vous vous retrouvez à un moment où il n'y a pas garçon. Il n'y a pas garçon. Maintenant, vous groupez maintenant sur mari des femmes. Les maris, les hommes qui sont déjà occupés là, vous groupez maintenant sur eux. Et puis c'est vous maintenant, vous faites les rivalités dures. Les rivalités dures. C'est-à-dire que toi, tu as trié garçon jusqu'à aujourd'hui là. Comme tu vois que maintenant, c'est fini. Les temps sont durs. Maintenant, tu t'attrapes un homme marié. Puis tu es concentré sur l'homme marié comme ça. Tu veux qu'il laisse sa femme pour toi. Mais c'est-à-dire que toi, tu es une rêveuse. Tu es une rêveuse. Au moment où tu avais les chances de trouver pour toi-même là, tu n'as pas accepté, hein, tu as trié. Maintenant aujourd'hui, comme tu vois que tes chances sont minimes, il n'y a plus de chocoya comme les Ivoiriens le disent, par exemple, ton âge est en train d'avancer, toi maintenant tu attrapes un homme marié et puis tu es collé sur lui comme ça. C'est toi qui as joué maintenant la femme trop parfaite. L'homme marié là, tu as joué genre tu es trop parfaite parce que dans ta tête là, tu veux prendre le monsieur. Attends, le monsieur il est marié. Lui là, ça veut dire que lui, sa femme là, ils étaient encore jeunes, le monsieur n'était rien encore là. Il allait vers sa femme. Elle a cru en lui. Elle a cru en lui. Elle lui a donné une chance. Ils ont construit ensemble. Elle a soutenu. Ils ont construit ensemble. Aujourd'hui, ça va chez le monsieur. Ça va pour le monsieur. Donc, ils sont mari et femme. Donc, ça dit que le gars là, quand il va vers toi là, et puis il sort avec toi là, faut pas te grouper sur lui. Tu as pensé que lui peut laisser sa femme pour toi. Toi, tu es en train de rêver. Là, tu es en train de rêver. Ça veut dire qu'il y a des femmes, elles ont tellement trié garçon que le gars, même au moment où il venait vers toi pour te draguer, là, au moment où il venait vers toi pour te draguer, là, toi, tu ne le voyais pas comme un homme. Tu ne le voyais pas comme un homme. Tu disais, oh, pardon, il a fait quoi celui-là? Ça, c'est pas mon genre, ça. Moi, je mérite mieux. Et puis, en plus, c'est qui? Il fait des études. Qu'est-ce qui prouve même qu'il va avoir des diplômes? Qu'est-ce qui prouve même qu'il va avoir un bon boulot, celui-là? Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça veut dire que tu as joué avec le gars. Le gars, il est parti. Tu l'as laissé. Il est parti. Quand il est parti, là, il a continué ses études. Il a continué ses études. Il a trouvé une femme. Elle a cru en lui. Une fille, elle a cru en lui. Ils sont restés ensemble. Ils ont préparé ensemble. Ils ont construit ensemble. Ils ont galéré ensemble. Le gars, aujourd'hui, il travaille. Ça va pour lui. Mais toi, tu as appris que le gars, ça va pour lui. Donc, maintenant, tu veux relancer le gars. Donc, tu fais tout pour avoir le numéro du gars. Et puis, tu appelles le gars. Tu veux voir le gars. Parce que le gars, il y a 10 ans en arrière, il était malade de toi. Il était fou de toi. C'est vrai. Mais aujourd'hui, là, ça va pour lui. Il est marié. Donc, il n'est plus fou de toi. C'est-à-dire, toi, il t'a oublié. Mais tu essaies de le relancer. C'est-à-dire que tu fais tout. Tu as son numéro et puis tu l'appelles parce que tu veux le rencontrer. Comme maintenant, ça va pour lui. Donc, tu te dis que, ah, comme il était fond de moi, il y a le relancer et puis il y a le prendre. Maintenant, le gars, là, quand tu l'appelles, là, lui vient à ton rendez-vous.
il vient à ton rendez-vous une fois, deux fois. C'est-à-dire que le gars, il faut que tu saches que, façon tu l'as nargué, façon tu l'as jeté il y a 10 ans en arrière parce qu'il n'était rien là. Il faut te dire qu'il n'a pas oublié, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête. Lui, il sait quel genre de fille tu es. Et puis quand tu le relances là, il vient, c'est un garçon, c'est un homme. Hein? Il vient à ton rendez-vous, 2, 3, 4 rendez-vous. Et puis après, il couche avec toi. Il couche avec toi 1, 2 fois, après il te jette. Il te jette après. Parce qu'il sait quel genre de personne tu es. Il sait quel genre de fille tu es. Donc il te jette après. Lui, il a voulu, il a dit qu'il est venu là, c'est pour se venger. Pour te montrer que lui, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un vanupier. Donc il vient puis il sort avec toi. 1, 2, 3 fois, après il se casse. Toi-même, tu es étonné, tu te dis, mais le gars qui était dingue de moi, le gars qui était fou de moi, comment se fait-il qu'il se comporte comme ça aujourd'hui? Oui, parce qu'il sait que tu es ce genre de fille-là. Le genre de fille qui trie garçon, là. Le genre de fille qui cherche le prince charmant. Le genre de fille qui cherche l'homme parfait, un homme riche, beau, tout là. Il sait que tu es ce genre de fille-là. Et il sait que si tu l'as relancé, c'est parce que tu sais qu'il travaille aujourd'hui, que ça va chez lui financièrement. Il faut que vous sachiez ça, hein. Il faut que vous sachiez ça. Vous sachez qu'un homme, il n'oublie pas. Ça veut dire que l'homme que tu as nargué il y a 10 ans, l'homme tu t'es foutu de lui il y a 10 ans, si tu le relances aujourd'hui, il faut te dire qu'il n'a pas oublié. C'est encore dans sa tête. Donc quand il est avec toi, là, tout ce que tu lui as fait dans le passé, là, c'est dans sa tête. Donc quand lui il revient avec toi, là, c'est pour se venger. C'est pas pour faire quelque chose de bon. Lui vient là, c'est pour se venger. Et puis il finit, il te jette. De la manière que tu l'as jeté il y a 10 ans, là, lui il va te jeter maintenant. Voilà, c'est pour te montrer que la vie, là, on ne sait jamais. Faut pas juger une personne, faut pas voir une personne, tu as pensé que son avenir c'est rien du tout parce que tu n'es pas Dieu. Vous passez votre temps à trier garçon. Ma chérie, tu as trié garçon aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, il n'y a pas mari. Il n'y a pas mari. Parce que même, c'est ton choix, ça veut dire que même un gars qui vient vers toi, que tu aimes, c'est ton choix là. Mais lui quand il vient vers toi, lui ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. De la manière que toi tu l'aimes là, lui il t'aime pas comme ça. Voilà, il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez que il y a des hommes qui viennent vers vous, qui vous aiment vraiment, qui veulent faire du sérieux avec vous. Mais vous, vous ne voulez pas d'eux. C'est-à-dire vous avez votre modèle de garçon. C'est ce que vous aimez. Mais quand ce modèle là vient vers toi là, sache que de la manière que tu l'aimes là, lui il t'aime pas comme ça. Lui il t'aime pas comme ça. Lui il est venu pour te faire mouroupan. Lui n'est pas venu pour faire du sérieux avec toi. Parce que c'est toi, c'est ton style. Mais toi, tu n'es pas son style. Toi, tu n'es pas son style de femme. Mais lui, il est ton style de gars. Donc, quand tu lui viens avec, il vient vers toi, là. Lui, c'est pour s'amuser. Et puis, quand il finit, il te jette. Il finit, il te jette. Et puis, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu es désespéré. De jour en jour, ta vie n'avance pas. Ta vie amoureuse n'avance pas. Il n'y a pas quelqu'un dans ta vie qui va te faire avancer. Et puis tu es là. Mais les années passent, ma chérie. Les années passent. Tous les jours qui passent, tu vieillis. Tous les jours qui passent, tu es en train de vieillir. Tu es en train de vieillir. Arrêtez de trier garçon. Arrêtez de trier garçon. Moi, je dis toujours, je dis, la femme, elle peut façonner son homme. Ça veut dire qu'un homme qui vient vers toi, si cet homme-là n'est pas à ton goût, si tu penses que cet homme-là n'est pas à ton goût, mais si c'est un homme qui est sincère, un homme qui est sérieux, un homme, toi-même, tu vois que c'est quelqu'un qui se cherche, c'est pas un fainéant. Mais cet homme-là, tu peux le regarder. Tu peux le regarder. Tu peux le façonner à ta manière. Tu peux le façonner à ta façon. C'est-à-dire que le genre de modèle que toi, tu veux, là, tu peux le rendre comme ça. Son style-là, toi, tu peux changer ça. Même s'il n'est pas beau, mais tu vas tellement l'arranger, l'entretenir. Tu vas tellement lui montrer les vraies pommades, les vrais savons, les vrais styles là. Tu vas voir que l'homme même que tu as négligé là, il a changé. Il est devenu à ton goût. Il est devenu à ton goût. Arrêtez de vouloir la perfection. Arrêtez de vouloir la perfection. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est l'erreur que vous commettez. C'est l'erreur que vous commettez. Vous êtes là, vous pensez que vous êtes les seuls sur cette terre-là, que Dieu elle est là pour vous seul. Non. Il y a beaucoup de femmes. Tout le monde prie tous les jours. Donc, si toi, tu es assise là comme ça, tu penses que toi seulement, c'est Dieu, il est là pour toi là. Qui va t'emmener ton prince charmant là? Ma chérie, tu as menti, hein? Toi-même, le gars qui est venu vers toi là, tu peux le rendre prince. Vous cherchez prince charmant, mais vous ne savez pas que une femme même, elle peut rendre son homme prince. C'est-à-dire, l'homme qui est venu vers toi là, toi, tu le rends en prince. C'est-à-dire, ça devient ton prince. Tu fais tout pour qu'il devienne ton prince. C'est ça. Mais vous voulez un prince. Mais vous ne voulez pas rendre vos hommes des princes. Il faut rendre ton homme prince. Ton homme qui est dans ta vie, là. Toi-même, tu peux le rendre prince. Ça veut dire que c'est ton prince.
tu le façonnes à ta manière, puis tu as ton prince. Faut pas attendre le prince de quelqu'un d'autre. Parce que celui qui va venir là, qui ressemble à un prince, lui c'est le prince d'une autre femme. C'est le prince d'une autre femme. Toi aussi, faut prendre ton homme, tu vas le rendre prince. Faut pas attendre qu'il soit parfait. Toi-même, tu peux rendre ton homme prince. Les filles, réveillez-vous. Moi, vous savez, il y a une dame une fois qui disait, on n'est pas obligé de se marier. Que le mariage, c'est rien du tout. Il y a une dame qui disait ça la dernière fois. Elle dit, le mariage, c'est quoi? C'est rien. Une femme n'est pas obligée de se marier. Une femme peut rester comme ça. Et puis, c'est tout. C'est quoi que le mariage? J'ai dit, vous savez, la plupart du temps, c'est les femmes désespérées qui disent ça. Ça veut dire que les femmes qui sont restées en train de trier garçons, qui sont restées en train d'être des femmes très difficiles, des femmes chiantes là, qu'elles arrivent à un certain âge là, ça c'est leur discours ça. Le mariage c'est quoi? C'est rien du tout. Le mariage c'est pas la réussite. Le mariage c'est pas une grâce. Le mariage c'est la grâce, c'est une grâce. Être une femme mariée c'est une grâce. Quand tu es une femme et puis tu es mariée là, c'est une grâce pour toi. Oui. Donc, arrêtez d'écouter les femmes désespérées. Celles qui pensent qu'elles donnent de mauvais conseils parce qu'elles-mêmes là, elles n'ont pas mari. Ou bien elles ne gagnent pas mari. Donc, elles sont là, c'est-à-dire, elles tiennent un discours pour se satisfaire. Elles tiennent un discours pour se satisfaire. Elles sont là toujours. Toi, tu penses que mariage, là, c'est ça qui est quoi? Tu penses que foyer, là, c'est ça qui est quoi? Vous êtes là, quand vous êtes marié, vous pensez que c'est la fin du monde. Oui, ma chérie, elle rêve d'être à ta place. Elle a envie d'être à ta place. Elle dit ça comme ça, là, mais qu'elle est dans sa maison, là, elle t'envie comme ça parce que toi, tu es marié. Toi, tu es en train de construire ton histoire. Oui. Toi, tu es une femme qui a cherché à te caser à temps. Cherchez à vous caser à temps. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, il y a un âge. Il y a un âge. Il y a un âge pour s'amuser. Il y a un âge pour trier garçon. Il y a un âge pour s'attraper un garçon. Pour commencer à construire son histoire. Donc, ça veut dire que toi, la femme, si tu ne sais pas ça, que l'âge la passe, c'est dur pour toi. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça veut dire que les femmes qui ont dépassé cet âge-là, et puis elles se sont mariées-là, sur 100 femmes, il n'y a que 20. Les 80 autres là, c'est chaud. Les 80 autres, c'est chaud. Parce qu'il y a un âge, ça commence à devenir très chaud. Parce que les hommes vont trouver que tu n'es pas jeune. Les hommes vont trouver que tu n'es pas fraîche. Les hommes vont trouver que tu as un enfant, deux enfants. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que toi, une femme, quand tu as un, deux enfants, et puis tu es seule, arriver à un certain âge, c'est dur. C'est-à-dire que l'homme, quand il vient vers toi juste pour le sexe. Après, il se casse parce que c'est pas tous les hommes qui acceptent enfant de quelqu'un d'autre. Il faut que vous sachiez ça. C'est-à-dire que le gars, il rentre dans ta vie là. Maintenant, il veut que vous deux, vous vivez que pour vous deux. Tes enfants, ils les acceptent pas. Maintenant, ça devient un problème dans votre couple. Affaire d'enfants. Toi-même, tes enfants, ça devient un problème dans votre couple. Et puis, tu es là, quand tu croises un homme à cause de tes enfants, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous sachiez ça. Arrêtez de trier garçon. Arrêtez de trier garçon. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir le David Beckham. Même David Beckham, même que vous voyez David Beckham là. C'est-à-dire que lui, quand il a rencontré sa femme là, il n'était pas stylé, il ressemblait à rien. Et puis, il était un footballeur, hein, mais pas un footballeur célèbre. Il n'était pas un footballeur célèbre. C'est sa femme là qui l'a façonné. Elle a changé son style. Elle a tout fait, il est devenu comme ça. Il est devenu top. Et elle a commencé à le rendre tellement beau, tellement chic, qu'il a commencé à faire des publicités. Et c'est comme ça son nom est parti. Et puis, il a commencé à jouer dans de grands clubs. Et puis, il est devenu le David Beckham. C'est sa femme qui l'a rendu David Beckham. Donc, rendez vos hommes grands. Rendez vos hommes importants. N'attendez pas les hommes bons. Les hommes grands déjà. Non, non, non. Vous rendez vos hommes grands. Rendez vos hommes grands. Arrêtez de trier garçons. Arrêtez de trier garçons. Vous êtes là, vous dites, garçon, finit pas. Garçon finit pas. Garçon finit. Garçon finit. Garçon finit pas. Un garçon qui finit pas là, c'est plaisantin qui finit pas. C'est-à-dire qu'un garçon qui fout rien de sa vie, un garçon qui n'a rien, qui fout rien de sa vie, un fainéant, un paresseux, ça finit pas. Ça là, il y a un an jusqu'à un fatigué. Par qui veut ça? Qui veut de ça? Garçon fainéant qui veut rien faire là. Quelle femme qui veut ça? Modèle comme ça, la femme veut pas. Modèle comme ça, la femme veut pas. Donc, femme aime les bonnes choses. C'est-à-dire qu'elle aime homme, un homme qui est battant. Un homme, on sait qu'il est en train de travailler. Un homme, on sait qu'il se cherche. On sait qu'il aime travailler. C'est ça la femme cherche. Mais ça, là, c'est rare. Arrivé à un certain moment, ça devient rare. Donc, si toi, tu penses qu'il y en a beaucoup sur le marché, non, non, non. Ça, c'est, on les appelle les hommes rares. Voilà, on les appelle les hommes rares. C'est-à-dire que ce genre, cette catégorie d'hommes-là, les femmes les groupent. Les femmes les groupent. Ils finissent vite. Donc, c'est les conneries là qui restent. C'est les conneries qui restent.
Donc, c'est-à-dire que toi, arrivé à un certain moment, il n'y a plus bon garçon sur le marché. Maintenant, toi, ce qui est sur le marché, là, c'est les plaisantins qui sont là maintenant. C'est les plaisantins qui sont sur le marché. Eux, ils viennent maintenant, c'est pour jouer avec toi. Eux, ils viennent là, c'est des fainéants. Donc, c'est toi, tu vas aller te taper 2-3 boulots. Et puis, tu les entretiens. Tu vas acheter caleçon pour eux. Tu vas acheter chaussures pour eux. Tu vas acheter habits pour eux. Entends-toi même là. De toute façon, tu as trié garçon là. C'est modèle comme ça là, tu ne voulais pas, hein. Il y a 10 ans. Mais aujourd'hui là, c'est modèle comme ça qui est dans ta vie. Et puis, tu es là, tu dis mon mari. Entends-toi même, tu sais que tu souffres dans la relation là. Ça veut dire que la relation qui est là, c'est toi-même qui te saigne. Le gars même là, il ne fout rien. Il regarde la télé matin, midi, soir. Toi, tu travailles seulement. Tu travailles seulement. Lui-même, là, mais quand il gagne 5 francs, là, tu ne vois pas sa couleur. Tu ne vois pas sa couleur. C'est lui seulement. C'est lui, on n'a qu'à lui donner. Et puis toi, c'est dit, tu rentres dans cette catégorie de femmes-là. Les femmes qui entretiennent garçons, là. Les femmes désespérées, c'est dit, elles n'ont plus le choix. Donc, ce qui vient, là, elles prennent. Elles font avec. Elles vont faire comment? Elles font avec. L'âge a avancé. C'est-à-dire que tu as trié jusqu'à aujourd'hui, là. Celui qui est ton mari, là, c'est qui? Il fait quoi? Il a quel diplôme? Il fait quoi? Il a quelle activité? Il a quelle réalisation? Il a quel projet? Zéro. Projet zéro. C'est-à-dire que lui, son avenir, là, on doute un peu. On doute un peu de son avenir. Parce que ce n'est pas un jeune. Quand tu es jeune, on peut dire, bon, tu es en train de t'amuser, ton avenir est encore devant toi. Mais le gars même, il a 35 ans, il a bientôt 40 ans, et puis il est fainéant. Et puis, toi-même, tu vois que c'est un fainéant, il n'est pas ambitieux. Mais c'est dans ça que tu es. C'est-à-dire que lui, là, tu vas faire quoi avec lui? Il va t'emmener où? C'est-à-dire que toi, tu rentres maintenant dans un foyer où tu as goumé tous les jours. Toi qui as trié garçon, là, aujourd'hui, tu es dans un foyer où tu as goumé tous les jours. Tu es avec un garçon, il te donne goumé tous les jours. Tous les jours, c'est lui qui veut l'argent. Tous les jours, c'est lui qui veut jolies chaussures. Tous les jours, c'est lui qui veut joli habit. Tous les jours, c'est lui qui veut joli téléphone. C'est-à-dire que lui, il est fainéant, il ne fout rien. Mais c'est lui qui veut avoir le dernier cri de iPhone. C'est lui qui veut porter Weston. C'est lui qui veut porter ceinture Gucci. C'est lui qui veut porter ceinture Weston. Oui, pourtant lui-même, il ne fait rien. Hein. Donc toi-même, là, ton petit argent que tu gagnes, là, c'est dans lui que tu vas mettre. Tu as trié garçon. Il y a des bons garçons qui étaient venus, qui voulaient te marier. Tu les as refusés. Aujourd'hui, regarde où tu es. Avec qui tu te trouves? Ou finalement même tu te retrouves sans mari? Aujourd'hui quand Georges vient dans ta vie, Georges rentre dans ta vie, il te fait croire qu'il t'aime. Il veut faire du sérieux avec toi. Georges rentre dans ta vie, il fait 2 ans, 3 ans. Georges disparaît. Tu quittes dans ce goumen là. Tu vas rencontrer Christian. Christian aussi quand il rentre dans ta vie là, il te fait croire qu'il t'aime. Il veut faire du sérieux avec toi. Christian, 1 an, 2 ans après, Christian disparaît. Donc, ça fait que tu es là, tu te remets avec des hommes, et si ça te fait beaucoup d'hommes comme ça que tu es en train de connaître. C'est beaucoup d'hommes que tu connais comme ça. Puisque, finalement, ce n'est pas de ta faute, mais c'est juste que tu as tellement trié garçon que tu es arrivé à un âge où les hommes, quand ils viennent vers toi, c'est pour jouer avec toi. Donc, celui qui vient vers toi, au début, il te blague. Il te fait croire qu'il est sincère. Mais après, lui-même, il disparaît. Lui seul, il disparaît. Il commence à changer et il s'en va. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Donc, tu rencontres un autre homme. Cet homme aussi qui vient, c'est un faux type. Donc, lui reste avec toi, il disparaît aussi. Et puis, tu rencontres encore un autre homme. Et arrivé à un certain moment, tu deviens une lionne blessée. C'est-à-dire que là, maintenant, tu as la rage. Là, maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Tu as goumé tous les jours. Tu es désespéré. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je suis belle. Je sais prendre un homme, je me comporte bien, mais les hommes, ils ne sont pas sérieux avec moi. Les hommes, quand ils viennent vers moi, c'est pour jouer avec moi. Oui, ma chérie, parce que tu as trop trié. C'est-à-dire que tu es arrivé à un stade aujourd'hui où tu n'es pas à ton avantage. Ça veut dire que tu as 1, 2 ou 3 enfants. Tu n'es plus à leur père. Tu es avec tes enfants là. Donc le gars, quand il vient là, il vient, il joue avec toi. Mais toi, tes enfants, ils ne vont pas rencontrer. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es avec Georges, tu présentes Georges à tes enfants. 2 ans après, Georges s'en va. Tu rencontres Simon, tu représentes Simon à tes enfants. 3 ans après, Simon se casse, tu rencontres encore Victor. Mais ça veut dire que quand c'est comme ça, tu n'es pas un bon exemple devant tes enfants. Pour tes enfants, tu n'es pas un bon exemple. Mais tu ne fais pas exprès. Parce que tu n'as pas fait le choix à temps. Tu as trop traîné. Arrêtez de traîner. Il y a un âge pour faire un choix. Il y a un âge pour trier. S'il vous plaît, mes soeurs. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, faites attention. La femme, elle prend de l'âge vite. On n'est pas comme des hommes.
Les hommes, ils peuvent traîner. Les hommes, à n'importe quel âge, ils peuvent construire leur histoire. C'est des hommes. Mais nous, les femmes, on n'a pas cette chance-là. Donc, toi, une femme arrivée à un certain âge, ça veut dire à partir de 25 ans, s'il te plaît, il faut que tu sois située. Il faut que tu sois située. Arrête d'être compliquée. Arrête d'être compliquée. Arrête de chercher un homme parfait. Ma chérie, si tu atteins un homme parfait, tu ne pourras pas. Ça veut dire que tu es là, tu tries là, ma chérie. Si tu as rencontré un homme qui vient vers toi, même si ça bouge sans, que cet homme-là, il veut faire du sérieux avec toi, ma chérie, ça bouge sans là, peut-être qu'il ne sait pas se brosser les dents. Toi, tu as lui montré comment on se brosse les dents. Toi, tu as lui montré la pâte dentifrice qu'il faut prendre pour que sa bouche là, ça ne sente plus. Donc, toi, tu as lui montré ça. Donc, il va changer pâte dentifrice, il va changer brosse à dents. Tu as lui dit, bébé, faut te brosser matin, faut te brosser à midi, faut te brosser le soir. Bébé, avant de dormir, il faut te brosser. Tu as compris? C'est-à-dire que doucement, doucement, lui que tu as connu, sa bouche sentait là. Doucement, doucement, tu fais que sa bouche sent plus. Sa bouche sent plus. Le gars que tu as connu n'était pas stylé, il portait les grosses chemises, les gros pantalons qui traînent là. Et puis il est venu vers toi là, mais tu sais que le gars il est sincère, le gars il est sérieux, il veut faire du sérieux avec toi là. Ma chérie, faut pas regarder gros pantalons là, faut pas regarder grosses chemises là, faut le prendre. Gros pantalon, grosses chemises là, tu vas changer ça. Tu vas voir, il sera maintenant en palaqué. Tu as le palaqué. C'est-à-dire que les pantalons qu'il porte là, c'est slim comme ça. Les hauts qu'il porte là, c'est pareil du corps comme ça. C'est toi qui es en train de le façonner. C'est-à-dire que ça c'est doux. C'est doux. Quand toi-même tu façonnes un homme là, et puis tu le rends à ton goût là, et puis le gars il est avec toi là, c'est trop doux. Quand vous êtes en train de construire votre histoire là, c'est ça qu'on appelle une histoire. Ça veut dire que vous avez une histoire. Vous savez comment vous vous êtes connu. Tu sais comment tu l'as connu. Tu sais comment il était. Et puis regarde comment il est aujourd'hui. Ça veut dire que le gars même, quand lui-même se regarde dans son aujourd'hui là, il sait comment il était hier là. Quand il est avec toi là, il te respecte. Parce que vous avez une histoire. Ayez des histoires, ayez une histoire dans votre relation. Une relation sans histoire, c'est une relation nulle. C'est une relation nulle. C'est fondé sur quoi? Ça veut dire que toi, la fille, tu cherches tellement la perfection que le gars même, ça veut dire le gars qui vient vers toi, un gars qui a tout, c'est lui que toi tu veux. Mais un gars qui a tout, même tu es dans son foyer, là, ma chérie, tu ne peux pas être heureuse. Parce que le gars, tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas son histoire. Lui, son histoire, là, c'est avec une autre femme. S'il a laissé cette femme-là pour toi, là, mais tu es dans la relation, tu n'es pas heureuse. Tu as tout, tu as le confort. Tu es dans le confort, mais tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse parce que c'est un inconnu. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son histoire. Toi, tu es là comme ça, c'est déjà prêt. Mais quelque chose, même tu rentres dedans, c'est déjà prêt. Tu as profité de ça comment? C'est-à-dire que tu es toujours mal vu. Tu es toujours mal vu aux yeux des gens. On te prend toujours pour une matérialiste, une profiteuse. Alors que peut-être que tu aimes le gars. Mais comme tu es venu quand tout était prêt, donc les gens pensent que tu es une profiteuse, que tu es une matérialiste. Arrêtez de vouloir prendre des hommes qui sont déjà prêts. Non, non, non. Déjà même en général, un homme qui est prêt, il a son propriétaire. Tout ce qui est prêt à son propriétaire, s'il vous plaît. Oui, il faut que vous sachiez ça. Cherchez à construire votre histoire, mes chéris. Cherchez à construire votre histoire. La jeunesse, ça ne va pas rester éternellement. La jeunesse, ça ne va pas rester éternellement. Votre beauté, ça ne va pas rester éternellement. Ça veut dire qu'il y a un moment. Ça veut dire que quand cet âge-là arrive, quand tu as ton homme dans ta vie, quand tu es en train de construire ton histoire, ta beauté, ça veut dire que ton âge passe, mais tu deviens de plus en plus belle. Parce que là, tu es casée. Tu as une vie rangée. Tu es casée, tu as une vie rangée. Donc, tu as le temps de faire ressortir ta beauté. Tu deviens belle de plus en plus. Ça veut dire que même après la maternité, tu es encore belle, tu es encore fraîche. Parce que tu as su te caser à temps. Tu as su te caser à temps. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis le sexe, ça fane. Le sexe, là, ça fane. Pas le sexe avec le même homme, hein, mais le sexe avec plusieurs hommes, là, ça fane. Ça fane. Ça veut dire que quand aujourd'hui tu es avec Georges, tu laisses Georges. Après, demain, tu es avec Christian. Tu laisses Christian. Trois jours après, tu es avec Mohamed. Tu laisses Mohamed, là. Ça veut dire que ta beauté, là, la beauté diminue comme ça. Tu commences à devenir fade. Tes traits commencent à devenir à s'épaissir. Parce que là, tu avais des traits fins quand tu étais encore belle, jeune. Mais arrivé à un certain moment, à force de changer les hommes, Tracy, tu arrêtes, maman, s'il te plaît, d'accord? Tu arrêtes, à force de changer les hommes, tes jolis traits, là, ça commence à s'épaissir. Ça commence à devenir lourd. Est-ce que vous voyez les traits lourds? C'est-à-dire que quand vous voyez souvent les jolies filles, là, les jolies femmes, là, c'est-à-dire quand vous regardez leur visage, là, vous sentez qu'elles étaient belles avant. Mais les traits sont lourds. Ça veut dire qu'elles étaient belles. Mais de la manière elles ont géré leur vie là, la beauté a changé. Donc ça veut dire que le sexe ça fane. Parce que il y a des hommes, leur sperme là, ça fane. Il y a des hommes, quand tu couches avec eux aujourd'hui là, c'est-à-dire tu sors avec eux aujourd'hui là, le lendemain même, toi-même quand tu regardes ton visage est fatigué. Toi-même tu vois que ton visage tombe. Parce que c'est comme ça, il y a des hommes, leur sperme là, ça fane. Il y a des spermes qui fanent. C'est-à-dire que les hommes, il y a des hommes, c'est bizarre, leur sang là, ils n'ont pas bon sang. Donc ça veut dire que eux, quand tu sors avec eux là, ils te fanent. Donc ça veut dire que si tu es resté à ce genre d'homme là,
pendant quelques années, lui, il est en train de te faner comme ça. Après, il te laisse. Ou bien tu le laisses. Par exemple, pour toi, ce n'est pas à ton goût. Tu vas encore prendre un autre. L'autre que tu es en train de prendre, là, lui aussi, son sang, là, ça fane. Donc, ça veut dire que ta beauté est en train de se faner petit à petit. Ta beauté est en train de se faner petit à petit. Mais toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Mais ça veut dire que c'est en train de se faner doucement, sans bruit. Un matin, quand tu te réveilles, tu as pris un coup de vieux. Tu as pris un coup de vieux. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand tu dois prendre un coup de vieux, ça commence depuis, mais tu ne vois pas. C'est-à-dire que ça dort en toi, ça sommeille en toi, le coup de vieux là. Et puis un matin comme ça, ça se réveille. C'est-à-dire qu'un matin, tu vois ton visage a vieilli un coup. Ton visage est fatigué un coup. C'est là tu as commencé les crèmes. Là, c'est-à-dire que tu as commencé à beaucoup mettre pommade. Tu as commencé à beaucoup faire les soins. Parce que tu penses que c'est là ta beauté va ressortir. C'est fini. Ta beauté est fanée. Ta beauté est fanée. Quand beauté fane là, quand beauté fane, on ne peut plus rien faire. Tu vas te monter, tu vas descendre, la beauté est fanée. C'est fini. C'est-à-dire qu'on voit tes traits, on sait que tu étais une belle femme, mais tu es fanée, tu es fatiguée. Parce que tu as joué ta vie. Toi, tu as compté sur ta beauté là. Tu es resté en train de traîner. Tu es resté en train de changer. Tu es resté en train d'être compliqué. C'est-à-dire le gars, même quand il vient là, quand il est en train de parler français, s'il dit je le dis, tu as dit ouh. Un homme qui dit je le dis. Il a fait quoi un homme qui dit je le dis? Pardon. Même si je le dis là, il veut te prendre au sérieux. Je le dis là, c'est lui qui est bon pour toi. C'est lui, il est venu là, c'est pour te prendre vraiment au sérieux. Lui là, il va te rendre heureuse. Je le dis là, il va te rendre heureuse. Mais toi, tu dis comme c'est je le dis là, tu vas le laisser. Mais je le dis est parti. Toi, tu cherches Socrate. Mais Socrate qui vient dans ta vie là, Socrate là, lui, il ne veut pas de toi. Socrate ne veut pas de toi. C'est je le dis là qui voulait de toi. C'est je le dis là, c'est lui qui voulait de toi. Tu as laissé, je le dis. Pas il dit, je le dis. En tant que tu ne sais pas que tu peux le prendre. Et puis je le dis là, toi-même, quand vous êtes en train de parler, tu lui dis bébé, on ne dit pas je le dis, on dit je lui dis. Bébé, on ne dit pas je la dis, on dit je lui dis. Il va dire mais c'est une femme, si c'est une femme, on dit je la dis. Tu dis non, 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 femme ou garçon, on dit je lui dis. Tu as compris? C'est-à-dire que le gars, toi-même, doucement, doucement, tu es en train de le changer. S'il parle mal le français, toi-même, doucement, doucement, tu lui dis chérie, non, c'est comme ça on parle français là. Non bébé, pardon. Faut parler comme ça. Doucement, doucement. Ou bien tu achètes les livres, ou bien tu lui fais souvent des petites dictées. Doucement, doucement, il va changer. Tu vas voir qu'arriver à un certain moment, ton mari dit plus je le dis. Ton gars dit plus je le dis. Maintenant, il va dire je lui dis. C'est-à-dire qu'il commence à se contrôler parce que tu es là. Tu es en train de le façonner. Tu es en train de le façonner. Ne regardez pas les petits détails. C'est-à-dire que le problème des femmes aujourd'hui, elles regardent les détails. Elles regardent les détails. Ça veut dire que les détails font que. Elle passe à côté des bonnes choses. Elle passe à côté des bonnes choses. Elle passe à côté des hommes qui veulent vraiment faire du sérieux avec elle. Elle regarde les détails. Parce que toi, tu es avec tes copines. Elles sont avec les beaux gars. Elles sont avec les jolis garçons. Toi aussi, tu veux être un joli garçon. Donc, ça veut dire que quand le gars vient vers toi, là, tu as dit, son nez est gros comme ça. Il a fait quoi? Il y a quelqu'un qui a gros nez. Moi, j'aime les gars qui ont un petit nez fin. Là. C'est une narine là même. Quand tu regardes là, tu vois son cerveau là-bas. Il a fait quoi un garçon comme ça? Non, moi j'aime les gars qui ont petit nez. Ma chérie, tu as fait quoi avec narine qui est ouverte? Narine qui est ouverte là, toi-même quand tu vas l'arranger là, narine là va tourner un peu, ça ne sera plus ouvert ça. Narine qui est ouverte comme ça, toi-même quand tu vas le prendre, de la façon tu vas le laver, tu vas le nettoyer là. Narine là, ça va descendre comme ça. Vous-même, même si narine là est ouverte là, tu vas voir que toi-même tu vas faire ressortir le charme de narine ouverte là. Narine qui est ouverte, des hommes ils ont narine ouverte, puis leur charme, ça fait un charme. Ça fait un charme. Il y a des hommes, ils ont gros nez. Leur nez, là, c'est gros comme ça. Mais ça leur donne un charme. Parce que celle qui est avec eux, là, celle qui est avec lui, là, elle a tellement bien pris. Elle a tellement nettoyé. Il est devenu tellement bien que son cerveau, même son nez qui est gros, là, ça devient joli. Ça devient joli. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, la femme, même là, quand tu prends ton gars, quand tu prends bien ton homme, quand tu lui donnes de la valeur, quand tu as une façon de le mettre en haut, là, ton entourage le trouve le plus bel homme du monde. Ton entourage le trouve l'homme le plus parfait du monde. L'homme le plus séduisant du monde. Moi, je vous dis ça. C'est femme qui donne importance à homme. C'est femme qui donne importance à homme. C'est-à-dire que ton entourage même te regarde. Parce que ton entourage voit même que toi, tu es une femme de valeur. Tu es une très belle femme. Tu as de la classe. Donc, celui qui est avec toi là, même s'il est penché, mais de la façon toi, tu as montré à ton entourage que c'est penché là. Même moi-même, j'aime. Je suis fier de pencher là. Pencher là, tu le mets en haut là. Ton entourage même voit pencher l'endroit. On le voit en droit. Tout le monde même l'envie. Tout le monde même l'aime. C'est-à-dire qu'il y a des femmes même qui veulent sortir avec lui. Parce que tellement que tu lui donnes de la valeur. C'est la femme qui donne la valeur. Donc arrêtez de vous moquer des maris de vos copines.
Arrêtez de vous moquer des maris de vos copines. Vous êtes ridicule. Vous passez votre temps à vous moquer des maris de vos copines. Vous-même, là, c'est des plaisantins qui viennent regarder votre nudité. C'est les plaisantins qui sortent avec vous. Et puis, vous vous moquez des maris des gens. Les gens sont en train de se caser. Les gens sont en train de construire leur histoire. Les gens sont en train d'avancer. Vous êtes là, c'est aspect physique, vous regardez. Vous êtes là, vous moquez doucement des gens. Vous moquez des gens, vous prenez de l'âge tous les jours, tous les jours. Vous prenez de l'âge tous les jours, tous les jours. Tu es jolie, 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 là, mais ma chérie, ta beauté là, tu es avec quel homme? Tu es avec quel homme? C'est ça. C'est ça le plus important. Tu es belle, oui, mais le résultat là, tu as qui dans ta vie? C'est-à-dire qu'on regarde ta vie là, tu as construit ton histoire. Est-ce que tu es casée? Est-ce que tu es casé? Parce que, arrivé à un certain moment, si ta beauté là, tu n'es pas casé, c'est que ta beauté est inutile. Parce que quand Dieu te donne beauté là, quand Dieu te rend joli là, c'est pour que toi-même là, tu saches prendre soin de ta beauté. Ça veut dire te caser, arriver à un certain moment, avoir une vie rangée, une très bonne vie. Donc quand c'est comme ça là, toi-même quand on regarde ta beauté là, tout le monde t'envie. On dit, mais la fille, elle fait comment? La femme, elle fait comment? Elle rajeunit de plus en plus. Parce que ta tête est posée. Parce que tu as une vie rangée. Tu as une vie casée. Tu as une vie casée. Tu n'es pas dans la merde. Tu n'es pas dans les conneries. Parce qu'il faut que vous sachiez que une femme, quel que soit ton rang social, une femme, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit ton niveau scolaire, ma chérie, si arrivé à un certain âge, tu n'as pas de mari, tu n'es pas respectée. Aucun homme ne te respecte. Aucune personne ne te respecte. C'est-à-dire que les vanupiers même viennent vers toi pour te draguer. Parce que tu n'es pas considérée. Tu n'es pas respectée. Pourquoi est-ce que vous voyez les grandes femmes, les Oprah, les Kim Kardashian, les grandes femmes de ce monde qui sont immensément riches, elles ont un mari dans leur vie. Pourquoi elles ont un mari dans leur vie? Même les présidents de la République, elles ont un mari dans leur vie. Parce qu'une femme, quand tu as un homme dans ta vie, quand tu es marié, c'est là que tu es considéré. Sinon, ces femmes-là, elles peuvent rester seules parce qu'elles ont l'argent. Elles sont immensement riches. Elles se suffisent elles-mêmes. Mais pourquoi elles ont un mari? Parce qu'avoir un mari, c'est important. Avoir un mari, c'est une grâce. C'est comme ça qu'on peut te considérer. C'est comme ça qu'on peut te respecter. Quand tu es une femme qui est mariée, tu es respectée de tout le monde. Tout le monde même envie ta vie. Parce que tu es une femme mariée, ça veut dire que tu te prends en sérieux, tu te prends en considération. Mais quand tu es une femme, tu as un certain âge, quel que soit l'argent que tu as, tu n'es pas mariée, on ne te considère même pas. On ne te considère même pas. Tu as l'argent, oui, mais tu n'as pas de mari, tu n'as pas une vie de famille. Une femme arrivée à un certain âge, elle doit avoir une vie de famille. C'est important. Parce que quand tu es une femme, tu as une vie de famille, c'est une grâce. Le mariage, c'est une grâce. Oui. Pas tous les mariages, c'est-à-dire les faux mariages. Toi, une femme, si tu es dans un faux mariage où tu souffres, où l'homme te fait souffrir, il ne te respecte pas, il t'humilie tous les jours, ça, toi-même, faut partir. Mais moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de vrais mariages. C'est-à-dire que tu es avec un homme, il te respecte, et puis vous êtes ensemble, vous construisez vos histoires. Toi, la femme, tu es une femme bénie. C'est une grâce. Les gens qui disent, les femmes qui racontent que être mariée, c'est rien du tout. Là. Être mariée, c'est quelque chose. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont la chance d'être mariées. Ce n'est pas toutes les femmes. Oui, il y a des femmes là, tous les jours, elles veulent se marier, mais elles, on les prend en mougoupant. On les prend en mougoupant. Donc, toi, une femme, quand Dieu, ça dit que si tu es mariée là, c'est que tu as une grâce. C'est une grâce pour toi. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ce n'est pas quelque chose de rien du tout. Le mariage, c'est une grâce. Arrêtez de minimiser le mariage. Arrêtez de banaliser le mariage. Ça, c'est les femmes qui n'ont pas de mari. Les femmes qui n'ont pas ce privilège. Parce que c'est un privilège. C'est un privilège. Elles n'ont pas ce privilège. Elles n'ont pas cette chance-là. Alors, elles banalisent le mariage. Elles minimisent le mariage. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Construisez votre histoire. C'est très important. Une femme, elle doit construire son histoire. Arrêtez de trier. Arrêtez de trier. S'il vous plaît. Arrêtez de trier. Ton homme, le gars qui vient vers toi, qui veut faire du sérieux avec toi, si il est en train de suivre une formation, s'il est à l'école, ou il a commencé une petite activité, une petite affaire, faut pas minimiser ça. Faut pas minimiser. Moi, je dis, un homme, tu peux rencontrer un homme, il est en train de vendre chaussures. Ça veut dire qu'il n'a même pas de boutique, il n'a pas de magasin de chaussures. Mais il est en train de vendre chaussures dans la rue. Ça veut dire qu'il est en train de se débrouiller. Mais le gars là, si tu le prends, toi, si tu le soutiens, si tu as envie de construire ton histoire, toi, la femme, tu peux le soutenir. Et puis, doucement, doucement, il va avoir magasin de chaussures. Il va avoir boutique de chaussures. Oui. Tu l'as connu, il vendait les chaussures dans la rue. Mais aujourd'hui, là, il est avec toi. Aujourd'hui, il a magasin de chaussures. C'est ça, une femme. Il était avec toi, il suivait une formation. Aujourd'hui, il travaille.
C'est un salarié. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Il avait une petite société. La société, il n'avait pas grand-chose. Il avait un seul employé. Mais toi, quand tu rentres dans sa vie, sa société prospère. Il commence à avoir 10, 15, 20 employés. C'est toi qui l'as rendu comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que toi, la femme, même quand tu es dans ce genre de foyer-là, toi-même, tu profites de ce... C'est-à-dire tu jouis de ce bonheur-là pleinement. Pleinement parce que tu as une histoire. Tu sais comment tu as connu le gars. Tu sais, au début, tes copines se moquaient de toi. Tes copines se moquaient de toi parce que tu es avec le gars. Mais aujourd'hui, tes copines qui se moquaient de toi, elles t'envient. Elles t'envient. Parce que le sens que tu as donné à ta vie, le sens que tu as donné à ta relation, quand elle même regarde ça, elle t'envie. Elle t'envie. Et puis, elles sont impressionnées parce qu'elles se disent intérieurement, waouh, cette fille-là, elle sait ce qu'elle veut. Est-ce que tu as vu ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec cet homme-là? Alors qu'on sait comment ils ont commencé. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois ce genre de fille-là qui n'écoute pas ses copines n'importe comment. Qui ne se laisse pas distraire par ses copines n'importe comment. Toi, il faut savoir ce que tu veux. Il y a ce que tes copines te disent. Et puis, il y a ce qui est vrai pour toi-même. C'est-à-dire que ce qui peut être bon pour toi-même, là, toi, tu dois savoir ça. Tu ne vas pas écouter tes copines. Parce qu'il y a des copines qui passent leur temps pour donner de mauvais conseils. Il y a des copines, là, elles vont te montrer que être casé, là, c'est rien du tout. Donc, vous êtes dans un groupe comme ça. Et puis, vous ne vous casez pas. Vous ne prenez pas les hommes au sérieux. Vous ne voulez pas vous marier. Donc, vous êtes dans un groupe d'inconscientes. C'est-à-dire, un groupe d'inconscientes. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une qui donne conseil à l'autre. Il n'y a pas une qui donne conseil à l'autre. Mais dans le groupe là, il y a toujours une ou deux qui sont intelligentes. Il y a toujours une ou deux qui sont intelligentes. C'est-à-dire que dans le groupe là, doucement, il y a une ou deux là. Elle sort du groupe. Et puis, elle commence à construire leur histoire. Elle commence à construire leur histoire. C'est-à-dire qu'elle vous laisse. Et puis, elles vont se caser. Elles vont se caser. Cherchez à vous caser, mes soeurs. Cherchez à vous caser. Il y a un âge pour s'amuser. Il y a un âge pour s'amuser. Arrêtez de trier garçons. Arrêtez de trier garçons. Arrêtez de vouloir voir les hommes que vous voyez à la télé. Ça, c'est à la télé. C'est à la télé. C'est-à-dire, quand vous avez vos films, là, hein, les séries brésiliennes, là, ça fait tellement rêver mes soeurs, là, que vraiment... C'est-à-dire que quand vous regardez Marimar, par exemple, Marimar était dans un bas quartier. Un matin, elle se retrouve avec un homme très riche, très célèbre. Elle aussi, elle devient riche. Donc, toi qui es en train de regarder ça là, toi tu penses que c'est la réalité. Donc, tu dis, je vais avoir la vie de Marimar. Toi, tu es dans ton bas quartier, tu n'as même pas un niveau, tu ne fous rien de ta vie, tu n'as même pas même un peu d'argent pour faire quelque chose. Toi, tu es assise là, tu dis, tu es Marimar. Tu attends le prince charmant. Ta vie sera comme Marimar. Ça, c'est film, hein? C'est série. Ça, là, c'est les séries, hein? C'est pas la réalité. Les vies comme les vies de Marimar, là, c'est pas la réalité, hein? Donc, si tu veux réaliser ça, là, ma chérie, tu vas avoir 40 ans, 50 ans. Dans faire des Marimar, là. Tu vas avoir 40 ans, tu vas avoir 35 ans. Et puis tu attends toujours, tu veux vivre comme Marimar. Donc, arrêtez de rêver, les filles. Soyez dans la réalité. Soyez dans la réalité. Soyez dans la réalité. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous êtes belle que vous êtes obligée d'avoir un mari, d'avoir des maris beaux comme vous. Non, non, non. On ne cherche pas beauté. On s'en fout de beauté. On s'en fout de beauté. On ne fait rien à beauté. Beauté va te donner quoi? C'est beauté, on mange? C'est beauté, tu vas manger, ma soeur. Tu es avec un joli garçon qui veut rien foutre. Mais tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec un garçon, un joli, il est beau. Oui, mais il veut rien foutre de sa vie. Parce que il se dit qu'il est tellement beau qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose de sa vie. Mais toi, tu vas faire quoi avec ça? Ça ne t'arrange pas. Toi, tu as envie de construire ton histoire. Tu as envie d'avoir des enfants. Tu as envie que tes enfants aient un avenir meilleur. Parce que toi-même, ta vie, ton enfance, ta vie que tu as connue, tu ne veux pas que tes enfants vivent ça. Le cauchemar que tu as connu là, la vie précaire, pauvre que tu as connue, toi, tu ne veux pas que tes enfants vivent ça. C'est-à-dire que quand tu es issu d'une famille pauvre, tu es enfant de pauvre, quand tu grandis, il faut que tu te dises que il faut que tu aies un défi. Ça veut dire qu'il faut que tu te dises que toi, tu es sorti d'une famille pauvre. Toi, dans ton enfance là, tu ne mangeais pas le matin. Tu mangeais une fois par jour. Et tu dormais sur une natte. Toi, c'est ta vie. Mais toi, ton défi, c'est que tes enfants ne connaissent pas ça. Toi, tes enfants doivent vivre une vie meilleure. C'est ça, une femme ambitieuse, une fille ambitieuse. Tes enfants doivent vivre une vie meilleure. Mais ça veut dire que quand tu ne sais pas ça,
que toi, la pauvreté que tu as vécue là, tu veux que tes enfants vivent ça. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu es enfant de pauvre. Tu es quitté dans un quartier pauvre. Toi-même, tu manges une fois par jour. Mais c'est toi, tu allais faire enfin un va-nu-pied. Tu allais faire enfin un va-nu-pied. Quelqu'un, même toi-même, tu vois qu'il n'a pas envie de se chercher. Toi-même, tu vois qu'il n'a pas envie d'évoluer. Il n'est pas ambitieux. Mais toi, tu vas faire enfin un lui parce qu'il est beau. Parce qu'il est joli, tu l'aimes. Tu vas faire enfin un lui. Donc, ça veut dire que ta pauvreté, toi-même, façon, tu es né dans pauvreté, tu as grandi dans pauvreté là. Tes enfants aussi vont connaître cette pauvreté là. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es pas ambitieuse. Tu n'es pas ambitieuse. Tu n'es pas ambitieux, tu ne cherches pas à changer. Toi, tu vas rester de pauvreté en pauvreté. Pauvreté en pauvreté. Qui supporte pauvreté? Nous tous, on est enfants de pauvres. On sait ce que c'est que la pauvreté. On sait ce que c'est que manger une fois par jour. On sait ce que c'est que dormir sur une natte. On sait ce que c'est que dans une maison où il y a deux personnes, trois personnes qui doivent vivre, vous êtes 20 dedans. On sait ça. On est enfants de pauvres, on connaît ça. Donc, ça veut dire que toi-même, quand tu grandis, ce n'est pas ce que tu veux connaître. Toi, tu ne veux pas vivre ça. Tu ne veux pas vivre cette misère. Tu ne veux pas vivre cette galère. Donc, tu prends soin de ta vie et tu commences à prendre ta vie au sérieux. Tu commences à te chercher. Tu commences à te fixer. Il faut que vous vous fixez. Il faut que vous vous fixez. C'est ensemble. C'est deux mains qui se lavent. Ça veut dire que cet homme-là, que tu prends dans ta vie, là, ensemble, vous allez vous chercher. Vous allez vous battre pour vous en sortir. Vous allez vous battre pour devenir, pour avoir une vie meilleure. Arrêtez de trier les filles. Arrêtez de trier. Ça veut dire que il y a des filles, elles ont tellement trié garçons, elles n'ont pas eu garçons. Maintenant, elles deviennent les plus grandes chrétiennes du monde. Ça veut dire qu'elles deviennent des plus grandes chrétiennes. Matin, elles sont à l'église. À midi, elles sont à l'église. Le soir, elles sont à l'église. Parce que là, maintenant, elles cherchent Marie. Et comme on leur a dit que à l'église, on trouve Marie, donc là, elles deviennent chrétiennes. C'est-à-dire, les chrétiennes par circonstance. Ça, on les appelle les chrétiennes par circonstance. C'est-à-dire que quand elles réalisent que leur vie est en train d'échouer, maintenant, elles se disent, bon, si je vais à l'église, je suis sûre que je vais trouver un bon mari. Elles commencent à devenir chrétiennes. Elles deviennent chrétiennes. Elles sont toujours à l'église. Elles sont toujours à l'église. Quand le pasteur prêche, la même fois, elles ferment leurs yeux comme ça. Amen. Amen. Elles sont concentrées comme ça parce qu'elles cherchent Marie. C'est chaud. Là, il se fait tard. C'est tard maintenant. C'est chaud. Elle a tellement négligé que maintenant, l'âge a avancé. Il n'y a plus Marie. Donc, c'est à l'église qu'elle va chercher Marie. Donc, ça veut dire qu'elles sont là, elles sont à l'église. Et puis, quand elles vont à l'église, c'est elles qui sont assises devant. Les premiers rangs, là, c'est ce qu'elles cherchent. Elles sont devant comme ça. Elles sont là. Si l'église commence à 10h, elles sont là à 9h40. Parce qu'elles ne veulent même pas rater la première place. Tellement qu'elles cherchent Marie. Parce que c'est chaud maintenant. Tu as trié, mais c'est chaud maintenant. L'âge avance. Donc, il n'y a plus garçon pour te draguer. Il n'y a plus bon gars pour te draguer. Donc, maintenant, c'est à l'église. Maintenant, tu rentres. Elles sont assises devant. Elles sont devant. Quand le pasteur prêche comme ça, amen. Alléluia. Elles prient jusqu'à un pleur comme ça. Mais quand elles pleurent, là, elles savent pourquoi elles pleurent. Parce qu'elles ont raté leur vie. Elles sont restées en train de trier garçons. Donc, elles pleurent, là, elles savent que... Mais c'est déjà, c'est dit, c'est de l'eau qui est versée. On ne peut plus ramasser. C'est le passé. On ne peut plus rien faire. Donc, elles sont là, elles prient. Elles sont là, elles prient. C'est-à-dire que quand le pasteur, il est là comme ça, et puis il dit, Alléluia, je vous dans la salle, je vois des femmes qui vont se marier. Dieu me dit qu'il y a des femmes qui sont là. Cette année même, elles auront un mari. Je vous dis, mais je dis, maintenant même, toutes les femmes qui veulent se marier, toutes les filles qui veulent se marier, venez au milieu ici. C'est-à-dire que quand le pasteur dit ça là, toutes les femmes qui veulent se marier, toutes les filles qui veulent marier, elles n'ont qu'à venir au milieu là. Mais il dit qu'elles même veulent blesser même les bonnes femmes qui veulent passer là. C'est-à-dire les bonnes femmes, qu'elles se sont bien comportées, elles étaient dans leur foyer, mais comme elles n'ont pas eu la chance de trouver bon mari, elles sont tombées que sur des cons. Elles, là, même, faut les voir. Elles courent comme ça jusqu'à... Elles sont en train de faucher même les bonnes femmes, là, pour aller se mettre au milieu. Parce que le pasteur a dit, celles qui veulent marier, là, elles n'ont qu'à venir au milieu, on va prier pour elles. Donc, elles sont au milieu comme ça. Elles sont au milieu comme ça. Et puis, le pasteur prie, elles sont au milieu. Mais il dit, vous allez trouver qu'un mari. Vous allez trouver qu'un mari. On a qu'à être sérieux. Vous allez trouver qu'un mari. C'est pas là, vous allez trouver mari. Vous savez, vous, là, vous avez joué avec votre vie. Vous avez joué avec votre vie. Donc, vous passez, c'est-à-dire vous faites toutes les églises de votre ville. Quand vous entendez qu'il y a une veillée, il y a une veillée là. Ouh, il y a un pasteur qui a une veillée aujourd'hui là. Il est trop fort. Ouh, il fait des miracles. Onction de ce pasteur, tu ne peux pas avec ça. Les femmes qui vont là-bas, là, elles se marient. Hein. Les femmes qui vont là-bas, leur vie change. Hein. Dans toi, quand tu entends ça là, tu dis, ah bon,
Ok. Quand la veille arrive le soir, là, tu es là-bas. Quand la veille arrive, tu es là-bas. Quand le pasteur dit les femmes qui veulent se marier, là, venez au milieu, là. Toi, tu cours comme ça, tu viens au milieu. Tu veux que le pasteur prie sur toi pour que tu trouves mari. Mais toi-même, là, ta vie, même là, c'est-à-dire, façon, tu as géré ta vie, là. Est-ce que tu as bien géré ta vie? Et puis, c'est maintenant, toi, tu veux que le pasteur opère miracle dans ta vie. C'est-à-dire que vous aimez rêver. Vous aimez rêver. Donc, vous partez dans les églises. Quand on vous dit de venir au milieu pour prier là, vous venez au milieu et puis on prie. Quand on finit de prier là, vous attendez. Comme le pasteur a dit, à la fin de l'année là, jusqu'à la fin de l'année là, 2017 là, vous allez trouver Marie. Comme quand vous partez là, vous vous mettez au milieu, le pasteur prie. Mais quand 2017 finit là, il n'y a pas Marie. Donc, toi la même, tu t'assois et puis tu dis, mais ça c'est un faux pasteur. Ça, c'est pas un bon pasteur, ça. C'est quel pasteur, ça? Tracy, arrête, s'il te plaît. Ça, c'est quel pasteur, ça? Moi, je suis parti là-bas. Il n'est même pas fort, même. Je suis parti. Il dit, les femmes qui veulent marier, n'ont qu'à venir au milieu. Moi, je suis venu au milieu. Il a prié sur moi-même jusqu'à présent. Il n'est même pas marié, là. Ça, c'est quel bon pasteur? Moi, je ne vais plus à l'église, ça, là. C'est pas une bonne église. Dieu n'est pas là-bas. Donc, toi, tu cherches quoi? Toi, tu penses que le pasteur, là, il fait la magie. Le pasteur, il fait pas la magie, hein. Quand le pasteur dit, les filles qui veulent marier, les femmes qui veulent marier, venez, on va prier pour vous là. Ça veut dire que lui, il prie pour toi. Mais le gros boulot là, le boulot même là, c'est toi. C'est pas le pasteur qui a fait miracle. Le pasteur, il va pas faire la magie. Lui, il prie pour toi. Mais toi-même là, tu fais quoi? Quand tu penses, c'est quand tu vas te mettre au milieu, il va prier pour toi là. Ça veut dire le lendemain, quand tu es en train de te promener là, bon mari vient comme ça pour dire je suis le mari que le pasteur a dit. Mais voilà, je vais t'épouser. Vous pensez que c'est comme ça? C'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. C'est toi-même qui es maître de ta vie. Tu es maîtresse de ta vie. Oui. Pour avoir bon mari, là, ça va dépendre de ton comportement. Ça va dépendre de ce que tu veux. Maintenant, ça veut dire que ce que tu fais là, en plus de la prière du pasteur, et puis ça avance. Et puis ça marche. C'est pas toi, tu as resté là. C'est toi qui as passé tout ton temps à trier garçon. Tu as passé tout ton temps à trouver que les hommes, ils ont grosse bouche, ils ont gros nez, leur bouche sente, ils sont pas stylés, ils sont courts, ils sont trop longs. Ah, lui là, mon cher, il n'a pas un gros pénis. C'est vous. Je ne sais pas ce que vous faites avec... Je ne sais pas ce que vous faites avec longueur de pénis. Je ne sais pas ce que vous faites avec largeur de pénis. Mais en tout cas, ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a des femmes... Elles, leur critère de... C'est-à-dire, elles, pour qu'un homme, elles acceptent un homme, là. Il faut qu'il ait un arbre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un gros sexe. Elles, c'est leur critère. C'est-à-dire que le gars, quand il vient, il est sérieux, il veut faire du sérieux, hein. Elle va aller coucher avec le gars. Quand elle finit de coucher avec le gars une fois, là, elle dit, ouh, pardon. Il a fait quoi avec lui, là? Il ne veut pas. Moi, il ne peut pas me marier, et puis il a souffri après. C'est qui est en bas de lui, là? C'est petit comme ça, on dirait mon doigt. Moi, il a fait quoi avec ça? Moi, il cherche... Garçon même, il cherche quelqu'un qui a ça là. Il allait faire quoi avec quelqu'un qui a un petit truc en bas de lui comme ça. Il rentre même, je sens rien, ma chérie, ma copine. Il a dit qu'il est rentré, je n'ai rien senti. C'est petit comme ça. Moi-même, j'étais là même, je criais en bas comme ça là pour lui faire plaisir. Mais il n'a rien senti. Moi, il ne fait rien celui-là. Hein. Moi, je ne veux pas marier comme ça là. Ça veut dire que toi, ta vie là, c'est tu cherches un arbre. Toi, tu cherches anaconda. Toi, tu cherches garçon qui a anaconda. Quand ça dit que lui, quand il rentre en toi là, tu sens même son truc ici, en bas de ta gorge ici. Toi, c'est ce que tu veux. C'est modèle comme ça, c'est garçon comme ça, c'est mari comme ça, toi tu veux. Mais tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Un garçon qui a anaconda. Mais s'il a anaconda, que lui-même là, en bas de lui, il n'y a rien là. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut là. Tu vas faire quoi anaconda? Ça dit que vous les filles, il y a des filles, vous cherchez anaconda jusqu'en... C'est-à-dire, vous restez dans Anaconda, là. Jusqu'à quand vous tombez sur Anaconda, là. Anaconda, et puis quand il rentre, et puis tu sens ça ici, là. Quand tu tombes sur lui, là. Lui, il sort avec toi une fois, deux fois, et puis il te laisse. Il te laisse. Toi, c'est ce que tu voulais, mais lui, il ne veut pas de toi. Par exemple, lui, c'est qu'il a Anaconda. Anaconda qu'il a, là, il sait qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent ça. Il y a beaucoup de femmes qui aiment ça. Donc, lui, il te fait mougoupan. Il te fait mougoupan. Quand il te fait mougoupan, là, tu cherches encore Anaconda. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, là. Toi, pour qu'un homme, tu acceptes de marier, qu'un homme te marie, là, il faut qu'il ait anaconda. Il faut qu'en bas, là, ça soit comme ça. Mais s'il n'a pas ça, là, toi, tu ne veux pas. Donc, tu passes ton temps à chercher anaconda. Anaconda aussi qui vient, là, c'est pas bon type. Lui, il vient, là, il te met oh là là. C'est-à-dire que quand lui-même, il rentre, là, toi-même, tu aimes. C'est ce que tu aimes. Tu aimes quand c'est comme ça. Mais quand il finit, là, ma chérie, tu cherches foyer maintenant, là. Lui, ce n'est pas ce qu'il cherche. Lui, il ne cherche pas foyer. Par exemple, toi, comme toi, là, il en a au moins 4 ou 5.
comme toi, là, il en a 4 ou 5. Donc, il va faire quoi avec toi, ton foyer? Et puis, ton foyer, là, même lui, il gagne quoi dedans? Parce qu'il faut que vous sachiez que ce garçon, même qui sait qu'il a anaconda, là, garçon qui sait qu'il a anaconda, là, il sait qu'il a une qualité. Il sait qu'il a une richesse avec lui. Donc, lui, il cherche aussi, il vise loin, il vise haut. Non, c'est pas toi, là, il va prendre. Toi, là, c'est pas toi, il va marier. Si c'est ce que tu aimes là, tu vas rester comme ça. Ton âge en train de passer. Tu as 30 ans, tu as 35 ans. Toi, c'est Anaconda que tu cherches. C'est Anaconda que tu cherches. Donc, ça veut dire que tu as tellement voulu d'Anaconda. Arrivé à un certain moment maintenant, toi, tu as 35 ans, tu as presque 40 ans. Et puis maintenant, c'est Anaconda que tu veux. Donc, comme les vrais types, les bonnes personnes ne viennent plus vers toi parce que tu as la trentaine, tu as la quarantaine. Donc, les bons gars ne viennent plus vers toi. C'est les enfants maintenant qui viennent vers toi. C'est les enfants là qui viennent vers toi. Bon, comme les enfants d'aujourd'hui, ils ont Anaconda. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont Anaconda. En tout cas, il y a beaucoup d'enfants. Les jeunes d'aujourd'hui, là, il y a beaucoup, ils ont Anaconda même. Ils sont, en tout cas, ils ont ça. Donc, ça veut dire que toi, comme c'est Anaconda, là, tu cherches. C'est Anaconda, tu cherches. Donc, toi, la vieille mère, tu as la trentaine, tu as la quarantaine. Donc, c'est les enfants maintenant qui viennent vers toi. Ça veut dire que toi, tu sors maintenant les enfants. Mais ils ont Anaconda. C'est ce que tu aimes là. Ils ont ça. Donc, l'enfant vient, il couche avec toi. Il sort avec toi. Toi, ça te fait plaisir. Parce que toi, tu es une vieille mère. Toi, ta vie, là, c'est Anaconda seulement qui est dans ta tête. Toi, garçon, n'a qu'à avoir Anaconda. Un homme qui n'a pas Anaconda, toi, ça ne t'arrange pas. Donc, toi, tu es là maintenant, c'est les enfants, là, les jeunes, là. Ils ont Anaconda comme ça. Quand tu vois ça, tu trembles, ils viennent. Et puis, ils sortent avec toi. Quand ils sortent avec toi, là, ils bouffent ton argent. Ils bouffent ton argent. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, tu te retrouves avec un jeune. Tu te retrouves avec un jeune. Il est avec toi, il vit même avec toi parfois. Tu dis mon mari, c'est à cause de son anaconda là, toi tu es avec lui. Mais de toute façon il te donne son anaconda là, c'est comme ça aussi tu te saignes sur lui. C'est comme ça aussi tout ton argent que tu gagnes là, ça reste dans lui. Oui, lui il te donne anaconda, toi tu lui donnes l'argent. Donc ça dit que toi ta vie là, ça commence, c'est dit, quand ta vie commence à devenir comme ça, c'est que ta vie est médiocre. C'est que ta vie est médiocre. Quand tu arrives à un âge, et puis toi, la femme, c'est Anaconda qui est dans ta tête là. C'est que tu as raté ta vie. On appelle ça les femmes qui ne sont pas ambitieuses. Les femmes qui ne sont pas ambitieuses. Donc, ça veut dire que toi, tu es la vieille mère maintenant. Et puis, c'est elle, les enfants maintenant, tu sors. Elle, les enfants, tu sors. Les enfants, là, ils viennent jouer avec toi. Ça veut dire que toi, une vieille mère comme ça, on te voit devant une boîte de nuit. On te voit devant un bar. Et puis, un enfant en train de te gifler. Tu vois une vieille mère comme ça, c'est un enfant. Ça veut dire. Un enfant, elle-même, peut mettre au monde là. L'enfant l'entend la gifler comme ça devant la boîte de nuit. Il entend la gifler comme ça devant un bar. Parce qu'elle, toute sa vie, c'est Anaconda, elle l'a cherché. Elle l'a voulu d'Anaconda. Donc, voilà comment sa vie est en train de finir. C'est-à-dire que quand tu as une femme et puis c'est Anaconda qui est dans ta tête là, sexe là, c'est ce qui est dans ta tête là. Toi, tu cherches Rocco Siffredi. Tu cherches le magicien du sexe. C'est-à-dire qu'un homme, quand il te prend là, il te met dans un état pas possible. Toi, c'est ce que tu veux. C'est ton critère. Toi, en tout cas, toi, si tu as ça, c'est ce qui te suffit. Le reste, là, ça ne t'intéresse pas. Mais ma chérie, tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Tu auras une vie médiocre. Tu auras une vie médiocre. Tu auras une vie médiocre. Parce que toi, c'est Anaconda seulement que tu as voulu. Mais tu n'as pas voulu de quelqu'un qui va rendre ta vie meilleure. Tu n'as pas voulu de quelqu'un avec qui tu vas construire ton histoire. Avec qui tu vas fonder ta famille. Avec qui tu auras une belle vie casée. Toi, tu es resté en train de chercher Anaconda. Tu es resté en train de chercher Anaconda. Tu es resté en train de chercher Rocco Siffredi. C'est-à-dire que vous ne savez pas que un homme peut venir vers toi. Un homme qui veut faire du sérieux avec toi, il peut venir vers toi. Et puis même si ce n'est pas gré. C'est-à-dire qu'il n'est pas fort. Il n'est pas fort en amour. Mais toi, la femme, tu peux lui apprendre. Toi, la femme, tu peux lui apprendre. Si tu l'apprends, là, ça fait quoi? Il faut lui apprendre. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est fort dedans. C'est pas tout le monde qui est fort dedans. C'est-à-dire que tu peux tomber sur un homme. Le gars, là, il est bon. Il est bon. Il veut te prendre au sérieux. Lui, il veut faire du sérieux avec toi. Lui, il veut te rendre heureuse. Mais lui, son problème, là, c'est que là-bas, là, il n'est pas fort. Là-bas, il n'est pas fort. Mais toi, tu peux lui montrer ça. Tu peux lui dire, ah bébé, tu sais, voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. C'est tout. Ça s'apprend. Qui vous a dit que c'est la taille ou même la forme, là, c'est ce qui fait quelque chose. Parce que, vous savez, nous les femmes, on fait une erreur. On fait une erreur, c'est que on se dit que un garçon, un homme, quand il a Anaconda, là, c'est ça qui est quelque chose. Mais ce n'est pas la forme qui fait le travail. Ce n'est pas la forme qui fait le travail.
tu peux rencontrer un homme, c'est-à-dire tu peux avoir un gars, lui n'a pas anaconda, ce qu'il a là c'est normal, c'est moyen, c'est normal. Mais le travail qu'il lui va faire là, le travail est propre, parce que c'est le savoir-faire. C'est pas la forme qui compte, c'est le savoir-faire. Un homme n'a pas besoin d'avoir anaconda à bord de lui avant de toi t'emmener au septième ciel, avant de te mettre oh là là, non non non. C'est le travail, c'est comment faire, la manière. C'est-à-dire que le gars, tu vois ses petits en bas de lui là, mais quand lui-même il te prend là, il rentre dans des endroits, toi-même tu vas penser que c'est anaconda qui est en bas de lui. Pareil, il connaît son, c'est-à-dire il a petit en bas de lui, mais quand il te prend là, il te met oh là là, parce qu'il sait se prendre, il sait comment on fait. Mais tu peux tomber sur anaconda et puis les brutes. Tu tombes sur anaconda, les brutes. C'est-à-dire que quand lui rentre, il rentre, boum, 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 et puis c'est fini. Parce que lui se dit, il a anaconda. Donc il rentre là, c'est pour te faire mal seulement. Ça là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des femmes, moi je ne comprends pas. Tu as une fille, c'est-à-dire que toi dans ta vie là, tu veux avoir enfant demain. Toi, tu veux avoir enfant demain. Mais toi, ce garçon, garçon qui a anaconda là, garçon lui-même, quand tu regardes, c'est comme arbre là, c'est long comme ça là. Toi, c'est ce que tu cherches. Et puis. Ce n'est pas pour dire que quand vous êtes en train de grès aussi, quand vous êtes en train de faire le truc là, ce n'est pas pour dire qu'il va aller doucement. Hein. C'est lui, son truc est long comme ça, gros comme ça. Mais ça veut dire que quand il est en train de faire le truc avec toi là, il fait ça fort, fort, fort. Ça veut dire que quand même quand tu finis ton bobo doumant là, tu sens ton bobo doumant comme ça. Ton point G là, tu sens ça comme ça, ça sort comme ça. Ben, le gars quand il te prend là, lui il va boum, 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 boum. Lui il te bousille tout dedans là-bas, il va boum, boum. Toi tu es là, tu dis, oh, quand tu finis comme ça là, parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes, moi, je ne comprends pas. Elles, c'est-à-dire, il y a des femmes qui disent, moi, normalement, quand je finis avec mon gars comme ça, là, quand il m'assoit sur l'eau chaude comme ça, là, ou même quand il veut faire pipi, là, il faut que j'aie mal. C'est-à-dire que moi, quand je finis avec mon gars, là, si je n'ai pas mal, quand je vais faire pipi, là, si je n'ai pas mal, mais quand je vais me laver, quand je vais faire ma toilette, si je n'ai pas mal, là, c'est que ce n'est pas un bon gars, c'est qu'il ne m'a rien fait. Moi, c'est-à-dire, quand je finis avec mon gars, là, il faut que j'aie mal, il faut que ça me brûle. Quand il m'a fait pipi, ça me brûle comme ça. C'est ça que moi j'aime. Mais il dit, ça là, c'est pas l'amour. Ça c'est quoi? C'est la brutalité, ça. Ça. Vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de vous tuer. C'est-à-dire, tu finis avec un gars, toi-même, ton baron te fait mal. Ça c'est quoi ça? Le gars, il est en train de te prendre, même toi-même, tu sens boubou. Toi-même, ton point G, ton bobo doumant là. Tu sens ton bobo doumant comme ça. Il est en train de cogner ton bobo doumant. Quand tu finis, tu as 3 jours de douleur de ma bavante. 3 jours, ton baron te fait mal. Ça là, c'est quoi ça? C'est quel amour, ça là? C'est quel amour? C'est-à-dire, vous-même, vous cherchez à vous bousiller, quoi. Vous cherchez à vous bousiller. Ça, c'est pas l'amour, c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Ce n'est pas aller boum boum là. C'est pas ça qui est quelque chose. C'est pas ça qui est quelque chose. Là, il y a des hommes là, eux, ils savent pas. Eux, là, pour eux, c'est aller boum, bah, boum, bah, boum, boum, boum. Quand ils sont sur toi, là, on dirait, mais vous êtes en train de faire par là. Boum, 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 boum. Toi-même, quand tu sens même, c'est-à-dire que tu sens même la douleur, même, tu sens même la douleur. Mais les femmes, elles aiment ça. Quand elles finissent comme ça, elles sont contentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent même mourir pour cet homme-là. Elles peuvent mourir pour cet homme. Mais en tant que toi-même, tu sais que tu es une femme. Tu es une femme. Tu es appelée à être mère. C'est-à-dire que demain, là, tu veux avoir des enfants. Toi, tu veux avoir un enfant. Et puis, c'est toi tous les jours. Tu veux anaconda. Toujours anaconda, dans le cas de te cogner, boum. Boum. Dans ton bas-ventre, là, boum. Boum. Boum, boum. Boum. Tous les jours, boum, boum. Dans ton bas-ventre. Pas les filles comme ça, là. Elles sont accros, c'est des nymphomanes. C'est des nymphomanes. C'est-à-dire, quand tu finis de faire boum boum, là, ça brûle, hein, mais le lendemain, ça va encore. Et puis le gars, il fait boum boum. Tous les jours, boum boum boum, dans son bas-ventre là. C'est ce qu'elle aime. Mais toi, tu vas faire enfant comment demain? Comment est-ce que tu vas faire enfant demain? Quel enfant tu vas faire? Si toi, tu as passé tout ton temps à bousiller ton bas-ventre là, tu vas faire enfant comment? Parce que vous devez savoir, hein. Vous devez savoir. Si vous voulez faire enfant là, les boum boum boum, là, arrêtez. Les boubougou, anaconda que vous aimez là, si vous voulez faire enfant, là, arrêtez ça. Allez dans la douceur. Allez dans la douceur. C'est pas toujours faire boubou, va et vient. Souvent là, demandez à vos hommes, ils n'ont qu'à faire le moulinex un peu. Ils n'ont qu'à faire moulinex. Moulinex là, c'est une chose. Jeu de rein. C'est-à-dire, le gars il va comme ça en moulinex. C'est-à-dire, ses reins là, il va comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand il est en train de faire comme ça en moulinex, toi-même là-bas là, quand tu sens ça là, ça tourne comme ça, ça fait mon. Donc c'est doux, c'est ça même qui est doux, ça fait là-bas là, ça fait parce que lui il va en moulinex, il va comme ça, mais il va pas boum, boum, pas boum boum là, ça touche bobo doumant, c'est pas bon pour le bobo doumant, c'est pas bon pour le bobo doumant, c'est pas bon si demain toi même tu as envie de faire tes enfants, c'est pas bon. Donc ils n'ont qu'à aller un peu en moulinex, ils n'ont qu'à aller en moulinex, ils n'ont qu'à tourner un peu, ils n'ont qu'à tourner les reins là, tourner comme ça, ça tourne là-bas, là-bas là dedans là-bas là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça fait, c'est doux et puis ça fait un peu mal là. Quand c'est doux et puis ça fait mal là, c'est ce qui est bon. Voilà. Mais quand ça fait trop mal là, ça c'est pas bon.
c'est pas bon. Dans les boulangers, comment toi-même tu sais que celui avec qui tu es là, il est anaconda là. Faut lui dire, bébé, va en Moulinex. Faut aller en Moulinex. S'il dit Moulinex là, c'est quoi là? Faut dire, il n'a qu'à tourner les reins. J'ai des reins. Tourner les reins, tout doux. Doucement. Il tourne les reins comme ça, tout doucement. Voilà, c'est-à-dire qu'anaconda là même là, toi-même tu sens en toi. Mais comme il va doucement en Moulinex là, donc c'est doux comme ça, on dirait quand tu mets plume de poulet dans tes oreilles là. Tu vois, quand tu mets plume de poulet dans tes oreilles là, voilà, de toute façon ça fait là. C'est doux comme ça là, c'est comme ça ça va faire. Ça va aller en Moulinex, donc c'est doux comme ça. C'est-à-dire toi-même le gars il est en toi comme puis c'est doux. C'est ça, mais vous voulez boubou. Vous voulez faire enfant, vous êtes tout dans les boubou. Vous voulez faire enfant, vous êtes tout dans les boubou. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça là, ça doit pas être critère. Ça doit pas être critère pour choisir garçon là, ça doit pas être ça. C'est pas ce garçon qui a anaconda là, c'est pas ce que vous devez regarder seulement, s'il vous plaît. Laissez ça. Laissez ça. Tu vas suivre anaconda là jusqu'à quel âge? Tu vas suivre anaconda là jusqu'à quel âge? Ah, laissez ça vous aussi. Vous aussi vous exagérez les filles. Vous exagérez. Hein? Un gars vient vers vous, vous ne voulez pas parce qu'il n'a pas anaconda. Un gars vient vers vous, vous ne voulez pas parce que moi en tout cas. Je lui ai dit de descendre à la cave là. Quand il est descendu là, il m'a chatoué comme ça. Ça me chatouait comme ça. Je n'ai pas aimé du tout, franchement. Moi, en tout cas, je ne peux pas me mettre avec un homme comme ça. Si ton homme là, le gars qui est venu vers toi là, qui veut faire du sérieux avec toi là, qui veut bien te prendre là, qui va te permettre d'être heureuse là, s'il vient là, que tu dis n'a qu'à descendre, s'il est descendu à la cave, qu'il voulait faire et puis ça t'a chatoué, toi, ça te chatouait, tu n'aimais pas. Parce qu'il ne s'est pas fait. Tu peux lui montrer. Tu lui montres. Il faut lui montrer. Quand, bébé, quand tu descends la cave, là, moi, voilà ce que j'aime. Quand tu descends là, s'il te plaît, faut pas mordre. S'il te plaît, faut pas me faire des guili-guili. Quand tu fais là, ça me chatouille. Donc, faut pas faire ça. Voilà comment il faut faire, bébé. Quand tu descends la cave, là, faut faire comme ça. Faut faire comme ça. Doucement, doucement, tu es en train de montrer au gars. Le gars, il commence à changer. Le gars, il commence à... Prends le téléphone, chérie. Voilà. Maman met la musique pour toi, d'accord? C'est-à-dire que le gars, il commence à changer doucement, doucement. Doucement, doucement, il commence à changer. Si au début, là, il te chatouait, au début, ça te chatouait, maintenant, ça ne va plus te chatouer. Maintenant, ça ne va plus te chatouer parce que tu lui as montré comment on fait. Tiens, va dans la chambre. Tu n'es pas dérangé, maman, d'accord? Va. C'est-à-dire que tu lui as montré comment on fait, il ne te chatouille plus. Il ne te fait plus de guili-guili. Vous n'avez pas regardé ça? Vous n'allez pas regarder ça? Vous aussi. Arrêtez d'être compliqué, les filles. Arrêtez d'être difficile, les filles. S'il vous plaît. Quand tu tries trop, c'est pas bon. Quand tu tries trop, là, c'est pas bon. Parce qu'il y a un âge où les bonbons, là, viennent. Et puis, il y a un âge maintenant où c'est plus les bons qui viennent, c'est les conneries qui viennent. Parce que l'âge a avancé. Parce que tu ne coûtes plus cher sur le marché. Le marché, là, tu n'as plus de points. Ben, l'âge a avancé. Donc, arrêtez ça, mes soeurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de trier garçon. Arrêtez de trier garçon. Arrêtez de vouloir tout ce qui est prêt. Non, non, non. Tout ce qui est prêt, arrêtez de vouloir ça. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est prêt à son propriétaire. Quelque chose qui est prêt, là, ça à son propriétaire. Donc, il faut quitter dessus. Parce que toi, ce n'est pas pour être deuxième femme. Ce n'est pas pour être maîtresse que toi, tu es né sur cette terre-là. C'est-à-dire que toi, tes parents t'ont accouché là. Tu es né sur cette terre-là. Toi, tu ne vas pas être deuxième chose. Tu ne vas pas être maîtresse de quelqu'un. C'est-à-dire toi, toute ta vie, tu es maîtresse de quelqu'un. Tu vas rester dans l'homme, tu vas vivre dans l'homme toute ta vie là. Toi non, tes parents t'ont pas mis au monde pour ça. Toi tes parents t'ont mis au monde là, c'est pour être numéro un. Tu as dit c'est pour être numéro un. Tes parents t'ont mis au monde pour être numéro un. Donc tu dois chercher à être numéro un. Tu dois chercher à voir ton homme. C'est-à-dire que même si l'homme là, il est en train de gérer des ouais là, mais c'est toi la number one. La number one c'est toi. Oui, c'est comme ça. Vous avez compris? Cherchez à être le number one. Arrêtez de rester là en train de traîner, en train de trier, puis finalement vous retrouvez deuxième femme ou bien maîtresse là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça, c'est pas une vie ça. C'est pas une vie ça. Ça veut dire, tu passes ta vie à être maîtresse, mais tu peux pas être heureuse. Tu ne peux pas être heureuse. Parce que l'homme, c'est quand il est disponible, il va venir te voir. Quand il est chez lui, tu peux pas l'appeler. Quand elle est faite, tu ne peux pas le voir. Le soir, tu peux pas le voir. Toi, ça veut dire qu'il y a des heures spécifiques pour que tu puisses le voir. Tu peux même pas partager des bons moments avec lui. Parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Toi, tu n'as pas fait, tu as pas vivre comme ça. Toute ta vie, tu as vivre comme ça, tu as vivre caché comme ça, ma chère. Vraiment, hein? Donc, ça veut dire que toi-même, tu ne te plais pas. Toi-même, là, tu n'as pas confiance en toi. Hein? Tu n'as pas de valeur. Et puis, c'est cette place-là, toi, tu vas accepter. Maîtresse. Pourquoi? Jamais. Jamais. Nous tous, on veut être number one.
Toujours, number one, toujours. Oui, tu as ton homme, c'est toi la number one. C'est-à-dire, toi, on dit Madame Koné, Madame Koulibaly, Madame JJ. Oui. C'est ce que toi, tu veux. Toi, tu veux pas, oui, la maîtresse, là, la deuxième femme, là. Non, non, non. Toi, c'est pas ce qui t'arrange. C'est pas ce qui t'arrange. Donc, il faut bien faire ton choix. Il faut bien faire ton choix. Il faut vite faire ton choix. Vous avez compris? Vous avez compris, mes soeurs? Toutes les femmes qui ont trié, là, elles regrettent aujourd'hui. Toutes les femmes qui ont trié, elles regrettent aujourd'hui. Il y en a même là, tellement qu'elles regrettent. Ça veut dire qu'elles sont parties à l'église jusqu'en tellement qu'elles ne trouvaient pas. C'est-à-dire qu'il y a des, elles vont, finalement, elles se retrouvent dans les fausses églises. Les fausses églises, là, elles se retrouvent là-bas où finalement, le soi-disant pasteur leur dit, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que c'est le frère Georges, le frère Jean, c'est lui qui est ton mari. Entends le frère Georges, le frère Jean, là, il ne fait rien de sa vie. Le frère Georges, là-même, là, c'est lui-même, il s'échappe, c'est chaud sur lui. Donc, c'est-à-dire que finalement, là, c'est le frère Georges, là, l'église, on dit, c'est lui, c'est Dieu. Dieu a dit que c'est lui, là, qui est ton mari. Et puis, c'est frère Georges, là, qui te marie. Et puis, tu es dans le foyer triste comme ça. Ton foyer est triste comme ça. Parce que tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Tu es arrivé à un stade où tu n'as plus le choix. Tu fais avec. Donc, si le pasteur dit, c'est lui, là, Dieu m'a dit que c'est lui, là, qui est ton mari, là. Donc, c'est lui que tu acceptes. Et puis, tu fais un mariage, tu es dans un foyer triste. Un foyer très triste. Où c'est chaud. Pour manger même, c'est chaud. Pour manger, c'est chaud. C'est prière seulement vous faites. Non, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas jeton pour bien vivre. Non. Toi, tu ne vas pas arriver à ce stade. Non, tu ne veux pas ça. Non. Tu ne veux pas ça, s'il vous plaît. Vous avez compris, mes chéris. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. S'il vous plaît, mes soeurs. Les femmes, c'est-à-dire mes grandes soeurs qui ont fait ça aujourd'hui, elles ont pris de l'âge. On ne peut plus rien faire, c'est fini. Mais la génération qui arrive là, c'est-à-dire vous, nos petites soeurs, là, vous, nos petites soeurs, là, c'est-à-dire c'est à vous on doit parler. Pour ne pas finir comme ces vieilles mères, là. Les vieilles mères qui ont trié jusqu'en aujourd'hui, elles sont sans mari. Elles sont seules et leurs enfants. Sans mari. Ou bien elles ont des faux types. Elles sont des gigolos ou elles des faux types là. Tellement qu'elles ont trié, voilà comment elles ont terminé aujourd'hui. Vous, on ne veut pas que vous finissiez comme ça. On ne veut pas que vous terminiez comme ça. Voilà pourquoi on vous dit ça. Arrêtez de trier. Arrêtez de trier. Quand un garçon vient vers vous, s'il a envie de faire du sérieux, s'il est bien, vous-même vous voyez que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, regardez-le. Donnez-leur une chance. Essayez de faire quelque chose avec eux. Vous allez voir. Vous avez compris? Ne regardez pas les détails. Si ça bouge sans, c'est rien. Tu peux changer ça. Il y a des choses qu'on change. Il y a des défauts qu'on change. Bouge qui sent, on peut changer. Style. S'il n'est pas stylé, tu peux changer ça. S'il ne sait pas faire l'amour, tu peux changer ça. Ça, c'est des choses qu'on change. Vous avez compris? Donc, ne regardez pas ça pour trier garçon. Vous avez compris? Le gars, il vient vers toi. Il n'est pas riche. Mais toi-même, quand tu regardes sa vie, il va à l'école. Ou bien, il suit une formation. Il a des diplômes. Il est en train de faire quelque chose. Donc, tu sais qu'il a un avenir. Donc, tu commences à construire ça avec lui. Tu commences à le soutenir pour que son avenir soit meilleur. Et puis, tu es avec lui. Vous avez compris, mes soeurs? Ok. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et un très bon week-end. Merci de vous abonner à mon compte YouTube. J'ai un compte YouTube. Merci de vous abonner pour que je puisse faire d'autres vidéos là-bas. Vous avez compris? Il y a des vidéos que je ne peux pas faire sur Facebook. Je vais faire sur YouTube. Donc, abonnez-vous nombreusement. Mon compte YouTube, c'est Coach Amonchi, comme ma page. Vous avez compris, c'est comme ma page. Abonnez-vous aussi à ma page. Aimez aussi ma page. Parce qu'il faut savoir que si vous aimez simplement la page, si je suis en direct, vous n'allez pas recevoir les notifications. Est-ce que vous comprenez un peu? Les notifications, c'est-à-dire la notification, c'est-à-dire le message qui vous dit que je suis en direct, vous n'allez pas recevoir parce que vous aimez simplement la page. Donc, vous aimez la page et vous vous abonnez. Comme ça, vous serez informé de tout mon actualité, de toute mon actualité. Vous avez compris? Ok, je vous fais de gros bisous. Merci, merci, merci pour ce très beau moment. Allez, ciao, ciao, ciao. Et à bientôt pour un autre sujet. Allez, ciao, ciao.